Hello tout le monde, c'est Silent, nous nous retrouvons sur Binding of Isaac Afterbirth. Toujours au Platinum God, toujours sur la petite Lilith. On a une petite vengeance à reprendre, parce que là, deux monstres fail des familles, c'est pas cool là. On veut y arriver quoi. On aimerait bien y arriver. Et puis comme ça au moins ça me fera un peu monter de skill, parce que le perso est quand même assez complexe par rapport au reste. En termes de gameplay, il y a beaucoup plus de possibilités, quoi. Ok. On essaie de surtout pas de s'auto-baiser la run, parce que ben ça c'était le truc le moins cool de la planète qui pouvait arriver. Parce que voilà, hein, l'auto-baise, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Et d'ailleurs, je me demandais... qu'est-ce que vous en pensez du fait que j'ai enlevé les titres simplement des vidéos, parce que c'est un peu prise de tête, parce que la plupart des gens me disaient « Ouais, mais faut pas spoil dans le titre », donc c'est un peu chiant, on peut pas dire grand-chose au final. Et du coup, vu que je peux pas spoil, je dois inventer des titres soit complètement random, qui ont rien à voir avec la run, comme ça, ça spoil rien du tout, et tout le monde est content. Et du coup, ça sert à rien de mettre un titre, parce que bah c'est juste du random number, enfin, random word generator, quoi. Je pourrais prendre un générateur de mots aléatoires, et hop, il me fait des phrases à la con avec. Et je vous mets ça à chaque fin à chaque titre de run, ce qui est un peu stupide. Ou soit j'essaie de vous mettre des trucs, mais franchement, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est vraiment important que je mette de la merde, ou que je mette des choses vraiment bien, que j'essaie de réfléchir un peu. Mais des fois le problème c'est qu'on fait une run tellement abusée qu'on a envie de dire juste simplement oh my god, I broke the game. Et ben non, vous voulez pas, parce que ben lol, spoil, pénétrative, shoot, speed up, lol, t'as vu. Voilà, des trucs comme ça. Donc c'est pas trop mal ça, pénétrative, shoot et speed up, on souffre un peu, mais le pénétrative, shoot j'aime beaucoup. Et ça qui va nous empêcher d'avoir des curses, plus civil up, c'est toujours cool aussi. Par contre ça me stresse ces pics qui sont là, chaque fois qu'on est dans la salle, ça... Oula. C'est pas cool quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez des titres, voilà, c'est quand même assez important pour moi, c'est un gros changement. Du coup, voilà. Dites-moi. Alors, hop, on pourra pas y aller, puisqu'on a trop de points de vie. C'est cool, j'ai même pas besoin de me mettre devant, vu que le petit bonhomme il est un petit peu en arrière par rapport à nous à chaque fois. Ok, on va claquer deux, ça ira plus vite. C'est pas spécialement dur comme salle, mais juste pour gagner du temps quoi, vu que c'est une grande salle. Il y a quand même des ennemis assez fatos en point de vie. Autant vite les mettre au cimetière. Ouais, il y a une blinde là. Allez, on va reperdre un petit cœur. Ça en valait pas la peine, mais c'est pas grave. Enfin, ça vaut la peine de checker quand même. Ça vaut la peine. Faut pas dire que ça en vaut pas la peine. Ça vaut la peine de checker. Surtout qu'on récupère une clé, ça va. Trade une clé pour un cœur, c'est un pour un, franchement, ça va. Ça va. Surtout que les cœurs, on peut les récupérer. Bon, pas les soulers, etc. Patati patata. Mais bon. On va dire qu'on peut... qu'on sait qu'on peut les récupérer. Alors, Spectral Body. Cette fois, ils sont pas fusionnés, d'accord. Faudrait qu'ils se décident, hein. Je sais pas ce qui s'était... enfin, ce qui s'était passé dans l'autre run, franchement, c'était magnifique d'avoir un Little Steven fusionné en volant, je trouve ça juste magnifique perso, mais je pense que c'était simplement un gros bug, ce qui est bien dommage. Alors, Spectral Body, si tu veux bien me le tuer, ce sera nickel, et merci pour l'aide, Spectral. Alors là, il nous faudrait une bombe. Genre une bombe, quoi. C'était tendu là le mot. Ok. Ah du coup ça fera un double spectral body. C'est cool. J'y avais pas pensé sur le coup là, mais ouais ça m'en fera un double normalement. Ce qui est plutôt une bonne chose. Allez, spider, si vous mettez les unes derrière les autres, je vais pas m'énerver, je serais juste content. On a notre fameuse bombe, mais on pourrait même la claquer ici, ce sera peut-être plus intéressant. On va voir ce qu'on a à droite d'abord. Ouais, la salle de la facilité, quoi. Ok,
folle là, c'était limite. Bah ouais, on va le prendre, hein, Mystery Sack. Je sais pas ce qu'il fait, mais je pense qu'il en est du random du coup. C'est nouveau? Pas. Je m'en souviens plus. Je pense que c'est nouveau, mais je suis pas sûr 100%. Ah, attention. Donc on a un caca arc-en-ciel qui rend les points de vie, ça va pas être très utile. Ok, on va essayer de trouver le boss, tout simplement. Déjà le tuer. On va voir ce qu'on fait de cette bombe. Je crois qu'on va l'utiliser simplement, comme je l'ai dit, dans le petit truc qui était là-bas, les 6 pots en même temps. Ah non, 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 c'est pas cool ça. Ok, on va se farcir le boss. Taunt. Ok, en version rose. Mon dieu, mais ça fait 2 Mystery Sack. Non mais ça fait des familles dans tous les sens là, c'est horrible. Putain. Ah ok, ça fait ça la version rose. Pas de brimstone pour le moment. What the fuck mec. Oh my god, pas de brimstone, allez boum dans mes dents quoi. Oh mon dieu le truc. Dégage. Oh my goodness. Pourquoi j'y rajoute le truc du... Boop. What the fuck, j'ai déjà... Bah, le truc à gauche, je sais pas ce que ça fait, je l'avais eu avant, mais bon, bah, j'avais tellement d'items que je pouvais pas savoir ce que ça fait. Je vais prendre la queue, voilà, juste pour... Voilà, pour la prendre, mais bon, ça me sert pas à grand chose. On va aller casser ces 6 petits pots. On va faire tout le chemin en arrière pour le Kyogre, c'est trop loin. On n'a pas le temps. On pourrait même casser les 12 pots au final. Très intéressant, le premier cassage de pots, hein, franchement. C'était d'une efficacité... sans nom. Ce qui est dommage, c'est que le Mystery Sack du coup me décale encore plus les machins. C'est pas trop dégueulasse. Ça a trouvé plus d'items dans les poupes. Ouais. Drop des pièces quand on prend des dégâts, c'est quand même plus important, je pense. Allez hop. Oh là là. On est déjà à un point de vie quoi. C'est vraiment la tristesse quand même. Allez, on prend le risque. De toute façon, on a de quoi se protéger avec tous ces familiers, normalement. On devrait être bon. Familier de l'enfer, quoi. Mon dieu, il y en a trop, il y en a trop de familiers, là. D'accord, un poupe, mais what the fuck? Arrêtez! Hop, on tue la grosse. Et voilà, le nez qui gratte au mauvais moment forcément. Putain de merde, je l'ai vu venir. Ah, nique ma race quoi. Vite, 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 vite. Je sais pas pourquoi j'ai pas claqué mon... Ah putain. J'aurais dû claquer mon item pour taper plus fort là, parce que j'avais pas les dégâts pour tenir là. Dégager simplement. Ok. Bon, c'est dommage, c'était un peu triste là comme fin, mais bon. Des fois, faut faire avec. 2, 1, 2, 2, 2, 1. 2, 1, 2, 2, 2, 1. 2, 1, 3, 1, 1. Ok. Donc on fait plus de dégâts. Bon, et on a inversé rien du tout. En rien du tout. C'est pas mal. Alors je crois qu'il va falloir rush comme un retard, en espérant que les flammes soient trop nulles pour réagir à temps, c'est nickel. Ça m'énerve quoi du coup, 2, 1, 2, 2, 1, 2, je crois que c'était 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Donc la cadence de tir n'a pas changé, la portée a changé, 2, 1, 2, la vitesse de projectile a changé. Ok bon, c'est pas trop grave les nerfs, le hop, intéressant quand même. Un dégât supplémentaire, dès le début c'est toujours cool. Quoi. Flat penny, oui, 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 oui. Ah j'aurais bien voulu une bombe là, qui est à côté ça, ah ok. Oh là là, oh là là, c'est quoi cette merde?
ça va de faire des trucs comme ça là. Mais what the fuck la salade là. Ah oui, ça m'a rajouté un point de vie au passage aussi. Rien d'autre. Ah, the moon. Ouais, on peut aller à la salle secrète. Alors, on va juste massacrer Pin d'abord. Hop, ok. Salle secrète, here I come. The moon. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Le nombre de clés direct, boom, premier étage, 13. C'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être essayer de choper une bombe du coup. Genre dans la salle qui est juste là. D'accord, c'était une jolie bombe. On va aller au marchand je pense, même si on n'a pas beaucoup de pièces. Enfin pas beaucoup. On a pas mal. Mais pas assez. Hop. Et dommage, il a pas de bombe. Pas de bombe. Pas de bombe et pas de bombe. Ok. En tous les cas, on a cette clé. On peut se permettre de claquer une clé juste pour check s'il y a une bombe. Hein. Ça en vaut la peine. Alors, on a le Burning Basement. Ok. Résistance. Ok. Putain mais ça va, tu ponds une araignée à la seconde ou quoi? Dude, calme-toi. Putain, on se met bien. Ramming speed, ok, on va courir comme une fusée. Wow, je le sens, ça va pas être cool ça. Ça va, on court assez vite. C'est marrant parce que lui il clignote, il devient vert, il devient plus vert, je sais pas. C'est nouveau ça. Mais je sais pas si c'est une propriété spéciale, mais a priori ça a rien fait du tout là. Il y avait juste l'air plus gros que les autres, c'est tout. On ouvre le marchand cette fois, hein. N'hésite même pas, on va acheter celui-là. Armscoin Pulse, ok. Boum. Alors, pilule 1, if down. Cool. Oh, pas cool. Health up, ok. Et 48 heures, énergie. Ok, 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 ok. On a une bombe, mais j'aimerais bien choper une pièce supplémentaire pour acheter le deuxième item. Oh putain, la bombe. Pas forcément besoin de la bombe. On peut passer comme ça. Ah. Goat head. Oh, bah, cool, hein. Pas mal. C'est marrant, les petits bonhommes ont fait aussi, là, les comme ça. Putain, le nombre de clés, mais donnez-moi des bombes. Bon, la clé dorée, on s'en fout complètement, on est d'accord là-dessus, mais des bombes, c'est pas mal quand même. Ok. On essaie de se concentrer, parce qu'on fait des runs quand même assez merdiques là, depuis que j'ai commencé ce perso, mais bon. Comme je dis, c'est pas forcément le perso le plus facile à prendre en main. Sincèrement, ça part un peu en steak, hein, j'ai envie de vous dire. Tu veux bien sortir de là, petit caca? Allez, fais pas ta pute. Merci. Hop. Ok, on va faire le boss. On va faire quoi que ce soit d'autre. Little Horn, ok, on connaît déjà. Rien de spécial, hein. Fait chier avec ces machins. Cette fois, il a décidé de pas se téléporter dans tous les sens avec ses bombes, mais juste de crasher toute la journée. Ah, 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 il fait des trous. Il peut balancer des trous, ok, j'étais pas au courant de ça par contre. La bombe, la bombe, la bombe, voilà. Hop, hop, monsieur, bon bah GG Wildfade. Hop, range up. Oula. Oh là 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 là. Non 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 non. Limp of coil si possible, ce serait génial. Ok. Non, non. Bon, tant
Ok. Alors, on va aller au marchand acheter cet item. On va essayer de récupérer peut-être une bombe sur le chemin. Ce serait pas mal. Hop. Tac. Charge with blood. Ah, ok. Sharp plug. Ok. Sharp plug. Je dis sharp. Oh, ça fait vraiment chier par contre ça. Pas de quoi choper le bombe si ce n'est de l'acheter du coup. Ouais, bon bah on va ignorer encore la bombe hein, pour cet étage hein, tant pis. C'est pas grave. Bon, loot une, non, allez hop, on bouge. On bouge à l'étage suivant. Ah, Flooded Caves. J'aime beaucoup cet endroit, vraiment je le trouve vraiment classe hein. Le bleu rend très bien sur Isaac. Ah, ouais. Les coups dans mes dents ça rend très bien aussi après. Ouais. Bon, hop, ce niveau mettre des spiders toutes les deux secondes, ça va me casser les couilles. Putain mais ils sont tellement solides ces machins. Avec deux piafs à trois, j'arrive pas à les tuer rapidement. Bon je mets toi à côté sur lui. Non mais tu t'es sérieuse, l'araignée de l'espace quoi. Putain. Ok, venez vers moi les petits anus. Hop. Voilà. Hop, tac. Toujours pas trop compris comment fonctionnent ces abeilles de merde, mais ça va venir, ça va venir. Ah non mais là c'est le cancer celui-là, faut le tuer rapidement. Oh mon dieu cette zone est tellement chaude avec ces machins. Non mais arrête dans le loot. Stop. C'est bon. Je veux que tu meurs. Putain. Et c'est à ce moment que tu te dis putain si je jouais Maggie je serais en train de pleurer ma maman. Ok. Pas grand chose d'intéressant. Ah. J'aimerais bien mais bon, c'est un peu risqué. Ah, du coup ça m'a équilibré absolument tout. Oh, je tire juste comme une mitraillette maintenant. Putain mais c'est extrêmement drôle ce genre de choses. Ah bah j'ai 5 bombes. Ah bah oui, ça rajoute 5 à tous les items je crois. Un coffre dans un coffre. On va se mettre invincible et on va ouvrir celui-là. C'était un joli risque, très utile. Putain de chauve-souris. Ah mes couilles Mickey. Ah, nice, 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 c'est ça qu'on veut, c'est ça. Pièce, pièce, pièce. Lock up. Putain mais... Ah, il faut que je prenne le temps de regarder la gueule qu'elles ont les pièces avant. Voir si elles ont vraiment quelque chose de spécial. Certaines. Aïe. Ok, c'est juste de passer. Tac, 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 tac. C'est bien Gordy. Continue de faire de la merde, on t'en voudra pas. Voilà. Alors, c'est plus shoot speed up, ok. Bah oui, on va tout prendre. Hop. Non. Power pill. Power pill, ok. Alors là, on est vraiment bien par contre, et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, gicler ça. Peut-être un peu plus loin si on y arrive. Hop. Ça devrait suffire, je l'espère. Oh. Nice. Juste le bon petit pixel des familles. On peut perdre un point de vie pour aller check la salle. Parfait. Parfait. Parfait, 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 parfait.
Ok, salle secrète, on l'a déjà trouvé. On se casse. On se casse. Moyen d'accéder à cet endroit. Ouais, on bouge. Ah là, on a des dégâts de cochon par contre, mais vraiment, on ne rigole plus là. Là, on est dans le game là, c'est bon. Brother Bobby là, il va carry la game. Brother Man Bill. Putain, cette musique de merde. Ok, on se casse, c'est de la merde. Ah encore, ouais, cette fois qui c'est qui fait mal, qui c'est... Ah, il lâche des mouches, bah voilà, on sait ce qu'ils font maintenant. C'est des patterns de grosses mouches qui crachent des mouches jaunes, voilà. C'est ça. Et là on a des caca brownisés, ils sont un petit peu jaunes. Ok. À niveau dégâts, franchement, on est vachement bien là. C'est incroyable, j'ai envie de dire. Ah. Hey. Ouais. Pièce. Attends, on va te faire exploser. C'est très gentil. Bombe pour un souleur, on pourrait. Mais je me dis qu'une bombe sera peut-être meilleure. Non mais arrêtez. Ah, c'est lourd, c'est vraiment... Je déteste ce machin. Comment ça s'appelle? Ah la Curse of the Maze. C'est vraiment de la bite en boîte. Y'a pas d'autre mot. De la bite en boîte. Double Brother Bobby, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Chubb? Voilà, tu vas manger du pain. Tu vas manger du pain, exact. Oh mon dieu, le fist. La machine est clouée contre le mur, quoi. Yo Pip, ça va? T'as l'air de bien te porter. Bah, moi je vais bien en tout cas, Pip. Hein. Bon ben, c'était cool de t'avoir vu, Pip. Hein. A plus. Petite bombe. Alors du coup, les deux seuls qui sont entre deux, on s'en bat les couilles parce que bah on sait qu'il n'y a rien. Bah écoutez, tant mieux, merci Curse of the Maze pour une fois. Putain, je vais prendre une belle explosion dans les dents. Oh là là, les snipings qui font ces trucs, c'est incroyable. Mais d'où tu te retournes comme ça, mec? D'où? Genre le gars, il sait que je suis dans son dos. Oh putain. Oh my fuck lord. Ça va être tellement bien. D'où Jésus. Non mais vous avez vu toutes ces clés? Ça ne veut plus rien dire. On a 50% de solde Steam, c'est cool. Oh là là, c'était limite, c'était limite, c'était par les fesses, hein. C'était par les fesses celui-là. Ok. Chad. Donc on sait qu'on va avoir de la merde, c'est pas cool. Mais bon, au moins on la déglingue en deux. Tac, tac. Rotten Baby, ça peut être vraiment intéressant avec bah, le double du coup. Ok. Sinon, bah, on va se casser, on a fait le marchand, on a fait la salle dorée, on a tout fait. On se barre, on se barre. Bon, il faut qu'on parte dans une optique de point de vie maintenant, parce que sinon, on va baisser le pantalon. Et personne n'aime baisser le pantalon, les amis. À moins que vous soyez en prison et que vous aimez ça, mais croyez-moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Après vous avez le droit de pouvoir d'aimer baisser le pantalon, c'est pas mon problème, ça me... ceci ne nous regarde pas. Ok. J'aimerais bien prendre un point de vie pour aller check ce qu'il y a là-dedans. Du coup on va certainement claquer la porte pile là-dessus. Ah Nick, ta maman. Power Bill. Two of spades. Two
diamonds. Ok, on a fait ça à l'arrache, mais ça a l'air d'être efficace. 2 of spades, 2 of diamonds, c'est pas mal. Ah putain, mais c'est vrai, je suis attiré sur la droite. Je me disais, putain, mais je fais quoi? Je suis handicapé là? Je me dirige vers la droite comme un con tout seul. Je comprenais pas ce qui se passait. Ah là là, on commence à prendre trop cher. Ouais, ça on va prendre de suite hein. Merci quoi. Oh là 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 là. Tous ces familiers. Tellement fou. Ah là, voilà la vraie run des familiers. Celle-là. Allez. D'accord, on vient de claquer deux cœurs dans le vide. C'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est pas terrible. Salle dorée. Oui, salle dorée. Ok. Alors. Ok. La version rouge comme ça, moi c'est une version bonne que je connais de ce petit truc. Du coup je sais pas ce que ça fait, mais bon, trois clés, pas les clés complètement de trois clés quoi. On a Death One, on peut déjà faire le boss. Oh god, meurs rapidement, c'est tout ce que je te demande. Et je me mets en plein dedans alors que je l'esquivais. Oh là 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 là, c'est le scandale. Ah du coup j'ai niqué le pacte hein. À moins que je loot un cœur. Je loot un cœur. Ok, je suis chanceux. Double pact, c'est cool ça. C'est toujours cool les double plop pact qui servent strictement à rien. Oui, c'est bien. On trouve le marchand et on se barre. Oh putain. Je sais pas pourquoi je vais ramasser. Ça me sert strictement à rien. La run des mille et une clés, là voilà. Après les 100 dalmatiens, les mille et une clés. On pourrait faire un bon film là-dessus, les gars. Trouvez-moi un script. On va trouver l'argent, on va se faire financer, on va faire le meilleur film Disney jamais fait. Je dis de la merde. Allez, étage suivant. On y croit, cette fois on va les passer les Death 2. Fouh. On y croit. Allez hop. C'est un peu inutile parce que j'ai beaucoup de clés, j'ai beaucoup de tout en fait, mais voilà. Autant perdre du temps bêtement, toujours cool de perdre du temps bêtement a priori. Non, c'était pas cool parce qu'en fait on va pas pouvoir faire le boss rush si on perd trop de temps bêtement. On va arrêter les conneries. Alors faut qu'on trouve la salle dorée et rapidement le marchand et la salle du boss si possible. En très peu de temps. Allez en bas. Forcément on prend les mauvais chemins dans tous les sens. Toujours la joie, ce genre de choses. Ah. J'aurais dû le prendre, j'aurais dû. J'aurais clairement dû, parce que là ça me sert plus à rien d'avoir des clés. Pin. Ok. On s'en fout de la clé, on s'en fout. Ok, un truc de marchand. Y'a rien de spécial, ça je sais pas ce que c'est. D'accord. Non. Non plus. Non, on a pas le temps. Ah, ça va être chaud, non, non, on a pas le temps de toute façon. Non, 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 on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. 30 secondes. Oh là 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 là.
Pourquoi il y a trop de grandes salles là. On se casse. La salle du boss, 44 secondes. Ça va être short, j'ai même envie de dire, ça va être impossible. Ouais, c'est mort. Ok. Pas de boss rush du coup, on va essayer de trouver la salle dorée qui est peut-être juste là à gauche. Merde, c'est pas là que je voulais. Ok. Pas encore la petite des nouvelles salles, c'est pas grave. What the... D'où ils ont prise les mecs là? Ça me dérange pas mais d'où quoi? Ok. Je suppose que la petite bzzz elle lâche des trucs. Des... comment dire, des batteries je pense de temps en temps. Enfin, ça ressemble à une tronche de batterie du coup je suppose. Ou alors ça nous permet de reload l'item plus rapidement. Je... ah merde. Putain, on commence à reprendre des coups gratos, c'est pas bon ça. On a décidé de foutre en l'air la game à nouveau. Ah. Allez hop, prayer card. Bon, ça me fera un cas supplémentaire pour l'étage suivant. Si je fais pas trop l'imbécile. Allez, deux clés, on s'en fout. Push pin. Monkey spaw. On va garder la monkey spaw, je crois que ça nous... donne un demi-cœur de temps en temps, je sais plus sur quelles conditions. The Moon. Allez, on va aller à The Moon, qui est juste à côté, qui sert pas à grand chose parce que bah, y a que des pièces. Et les pièces actuellement, on s'en bat un peu les roupignoles. Et du coup, on se barre. Ça va être short, hein, je vous promets pas de tenir jusqu'au bout, franchement ça va être short. Hein. Ouais. Allez. On peut claquer le un peu de double baby. Oh mon dieu, le pied il est tombé instant ou c'est moi? J'ai pas entendu le que j'ai le pied était déjà sur moi quoi. Bon. On va prendre ça parce que pareil c'est ce que je n'ai pas fait alors que c'est complètement faux mais c'est pas grave. On va prendre ça, ça rajoute des sous-lurts. Et on se casse. J'aurais pu prendre le Demon Baby aussi mais... ouais, on va éviter les risques. Alors, Scarlet Bomb à nouveau. Avec une seule rempli de sang par terre. On avait pas vu ça dans le Scarlet Bomb maintenant. Aïe. Ah oui, c'est vrai que ça enlève un cœur par un cœur. Putain, ça va être chaud patate, les amis. Attention au caca. Attention au caca. Oh là là, ça va être short. Hein. Mais d'où ils sont pris de temps en temps? C'est trop bien, ça vient d'où? Peut-être un des items que je connais pas. Je m'en souviens plus de ce que j'ai ramassé exactement du coup. C'est compliqué de le dire. Nah. Alors la salle d'arène, on va checker quand même ce qu'il y a dedans, on sait jamais, ça peut être cool. Ok, on va prendre le risque. Ok, ça peut être pas mal Pinky Eye, je pense avec le poison là, ça peut aider. C'est assez rare mais... vu qu'on a un tir assez rapide, ça peut me tanker assez souvent.
bombe encore. On a pris tous les mauvais chemins, hein, comme d'habitude. Hein. Power pile, ça c'est cool. Putain, ça va de le mettre dans un truc aussi petit là. Pièce, on s'en fout, on s'arrête un peu pour. Ok. On va ça quand même. Allez à gauche. On y croit, ça doit être le bon endroit. Putain de. Ah, je glisse. Ramming speed de mon boule. Oh, yes. C'est de chance. Ok, 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 ok. C'est bon. The bloat, ok. On passe derrière directement. Et on allume ses petites fesses. Oh, mais c'est la version sale de The Bloat. Putain, fait chier le dégât gratos dans mes dents. Ça, je connais pas. Don't swallow the price. C'est tout? Ou j'ai eu un cœur supplémentaire aussi, je sais plus. Oula, oula, oh putain, il était tout minus. J'étais là, elle est où la porte pour se casser. Et d'un coup, t'as le petit bonhomme qui sort derrière le dos de Satan, genre, coucou. Je vais te bouffer. Du coup, si je veux la nouvelle zone et avoir mon item de hop, il faut pas que je... Ah merde, je vais claquer dans le vide. Je vais juste faire la plus grosse queue de familier au monde. C'est trop cool. Du coup, j'ai pris un dégât sur la shard plug, c'est pas cool. C'est pas grave. On va s'en sortir. Ah putain, on va pas s'en sortir. On est mort, on est cuit. Surtout si je vais aller tuer Hush, ça va être chaud là. Ok, lock up. J'espère que ça va être utile. Genre la salle secrète ici. Ouais, pas vraiment de lock-up hein. Bon, elle pouvait pas être là. Oh mais forcément tous les mauvais chemins comme d'hab. Bon, ok, oh, okay. C'est cool. Ça me réduit mes dégâts ça, non? Pas vraiment a priori, ok. Oh. Non, dégage. Balls of Steel. Putain, on se remet bien. Mais what the fuck, c'est quoi qui les freeze? Putain, j'ai failli me prendre un coup à cause du freeze quoi. Dur. Oh non. Ok. J'ai l'impression que le sang qu'il laisse par terre, il part plus vite quand la salle est clean. J'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Hein. Non, 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 on va pas déconner. Oh my god. Vite, on se débarrasse des cœurs. Ok. En bas. C'est toujours cool. Ça pourrait être utile de dévier le boss, d'augmenter ses dégâts. Donc je crois qu'on va la prendre et la garder. Les tâches. Ah.
fait une bite en bas. D'accord. Ah putain, grosse échelampée. Alors, des pièces à en utiliser, les amis, hein. En espérant que ça pète pas. On a deux en lock-up. Enfin, deux en lock, c'est pas terrible. J'espère loot quelque chose, hein. Genre des sous-lurts. Hein? Allez! S'il vous plaît! Ah, là on se comprend. Have you seen the E? It use bomb wisely, rebuff got cancelled. What the fuck? Alors, la curvette horn pour les dégâts supplémentaires, ça peut être cool aussi. Eh ben putain. C'était pas terrible, hein. The tower. Alors, si je prends ça, est-ce que je monte à fond? Je monte à fond en dégâts. Je pense que les poisons peuvent être pas mal. Ça a l'air d'être assez rare quand même, genre une fois toutes les 20 larmes. Allez, on mise sur le poison, les amis. On va miser sur le poison. Puis on va se casser de là, je pense. Allez, hop. Oh mon dieu, j'ai fait de la merde. Ah, il est gros mon Isaac, c'est chaud. Ah putain de pénis. Goat head baby, ok. Ah bah on a pas la super salle qui s'est ouverte. Bon ben, what the. Oh mon dieu, j'ai pris un dégât. Oh mon dieu. Mais oh, je voulais pas prendre ça. Putain, je suis dans une de ces merdes, les amis. Bon ben, eh bien, YOLO, hein, comme dirait ma grand-mère. Ah putain, en plus on n'a pas de map. Bon, ça devrait aller avec ses shells. On s'en fout un peu. Ah ouais, bon bah c'est la fin, c'est la fin. Ça commence comme ça. Pas qu'il me spawn à la gueule. Pff, ah bah voilà. Non mais sérieusement quoi. Putain. Oh. Je voulais pas le prendre ce pacte à la con. Oh mais ça me saoule, 3 runs à la con qui finissent à la poubelle. Bon bah tant pis hein. C'est pas grave. Au moins elle aura duré plus longtemps, celle-là. Mais je sais pas pourquoi Hush est pas apparu. Peut-être qu'il apparaît au bout d'un certain timing, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle run, les amis. Je vais juste vérifier un truc. Le boss rush, c'est le truc du milieu, du coup, j'ai validé le boss rush avec tout le monde déjà en hard. En tout cas, ouais. Ok, moins 3 win streak. Perfecto. Ok, bah, sur ce, les amis, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ou un autre jeu, je sais pas trop. Allez, ciao ciao.